Bonjour à tous, vous écoutez la Juriclic, l'émission qui décrypte vos droits sur Radio Panique 105.4. Loi, règlement d'ordre intérieur à l'école, contrat de travail, contrat de bail ou droit au chômage, notre quotidien est organisé autour de différents textes légaux, parfois compliqués, voire mystérieux. À travers différentes chroniques, notre équipe va essayer de rendre compréhensible ce jargon juridique. Notre émission est animée par des travailleurs d'InfoJeunes Bruxelles, un centre d'information jeunesse présent dans une dizaine de communes bruxelloises. Aujourd'hui, nous avons autour de la table Dayuma. Bonjour Dayuma. Bonjour Laetitia. François. Bonjour à tous. Salut Karim. Bonjour. Bonjour Karim. Et en régie, nous avons Thomas et Mélanie, qui ne peuvent donc pas vous dire bonjour, et moi-même, Laetitia, pour vous guider à travers nos différentes rubriques. Alors, en parlant de rubriques, quel va être le menu du jour ? Alors, nous commencerons avec les affaires courantes présentées par Dayuma, François et Karim. Et dans cette rubrique, nous aborderons différentes questions posées fréquemment dans nos points d'info. Ensuite, nous aurons la grosse question présentée par François et Karim. Et dans cette chronique, nous prenons le temps d'aborder une thématique un peu plus en profondeur. Et ce mois-ci, nous parlerons de l'abandon des études en cours d'année. Nous enchaînerons ensuite avec la boîte à outils et ses astuces présentées par Mélanie. Puis nous aurons le troisième pouvoir, rubrique où Dayuma nous expliquera comment les tribunaux ont fait bouger la position de l'ONEM sur la notion de cohabitation. Et enfin, nous terminerons avec Mélanie qui nous présentera l'agenda qui reprendra toutes les dates importantes à venir. Si jamais vous loupez une information, pas de panique, vous pourrez réécouter notre émission qui sera disponible en podcast sur le site de Radio Panique ainsi que sur le site d'InfoJeunes Bruxelles. Et les adresses de sites internet que nous évoquerons durant l'émission seront également reprises dans le descriptif de l'émission. Alors commençons tout de suite avec les affaires courantes du mois où nous allons explorer différentes questions d'actualité. La première question est celle des équivalences de diplômes. Dayuma, peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, si tu as fait des études secondaires à l'étranger et que tu veux entamer des études supérieures dans un établissement de la Fédération Wallonie-Bruxelles l'an prochain, tu vas avoir besoin d'obtenir une équivalence de ton diplôme étranger. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une question d'actualité ? Parce qu'en fait, la demande d'équivalence peut être introduite depuis le 15 novembre et jusqu'au 15 juillet 2022 pour la rentrée de septembre 2022. La procédure étant assez longue, on conseillera de s'y prendre bien à temps. C'est quoi exactement une équivalence ? C'est une décision officielle qui détermine la valeur de ton diplôme étranger par rapport à notre système d'enseignement. Comme tu le sais, pour entamer des études supérieures, tu dois en principe avoir obtenu ton CESS. Si tu as étudié à l'étranger, tu vas avoir besoin d'une équivalence qui dit donc que ton diplôme étranger que tu as obtenu est équivalent au CESS et te permet d'entamer des études supérieures en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et où est-ce qu'on doit introduire la demande ? Tout d'abord, il ne faut jamais oublier que la Belgique est un pays fédéral, et donc de nombreuses matières sont régionales ou communautaires. Et donc, bien sûr, tu vois où je veux en venir, les procédures, les règles ne sont pas les mêmes en communauté flamande ou française. Donc là, on parle bien d'une personne qui veut entamer un bachelier en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, l'équivalence de ton diplôme de fin de secondaire doit être demandée auprès du service des équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et la procédure, les délais, les documents nécessaires sont expliqués sur leur site, sur www.equivalence.cfwb.be. Et est-ce qu'une équivalence est d'office octroyée si on a terminé ses études secondaires à l'étranger ? Malheureusement, non. L'équivalence est parfois refusée et parfois elle est aussi partielle, c'est-à-dire on reconnaît une équivalence au CESS, mais on restreint l'accès aux études supérieures à certains types d'études. Par exemple, on va dire uniquement pour des études de type court et pas de type long, ou tu peux entamer des études supérieures seulement dans certaines filières, par exemple dans une filière scientifique. Et donc dans le cas où une équivalence ne répondrait pas à tes attentes ou ne te permet pas de poursuivre les études que tu avais choisies, il y a des alternatives. Il est par exemple possible d'entamer des études supérieures sans CESS si on réussit un examen d'admission universitaire qui permet d'accéder aux études supérieures dans une université ou haute école de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces examens sont organisés par les universités. Il est aussi possible de passer un examen au jury central. Donc tu sais peut-être que tu peux passer les examens du jury pour obtenir un CESS, mais il y a aussi un jury spécifique, le DAES, ce qui signifie diplôme d'aptitude pour accéder à l'enseignement supérieur. Et le DAES sont des examens du jury de la communauté française qui s'adressent spécifiquement aux personnes qui ont obtenu une équivalence au CESS, mais avec des restrictions d'accès aux études supérieures. Donc la réussite du DAES te permet d'entamer les études de ton choix. Ok, et si on a déjà obtenu un diplôme supérieur à l'étranger, est-ce qu'on doit aussi obtenir une équivalence de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour s'inscrire à un master ?
Non, la procédure est différente. En fait, si tu as obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur et que tu veux faire ton master en fédération à l'ENI Bruxelles, il faut introduire un dossier auprès de l'université ou de la haute école de ton choix, qui va décider elle-même de reconnaître ou pas le diplôme que tu as obtenu à l'étranger comme équivalent. L'établissement pourra décider de ne reconnaître qu'une partie de ton parcours universitaire antérieur et d'octroyer des dispenses. Si tu dois quand même au final t'inscrire dans un bachelier, tu auras besoin de l'équivalence du CESS. Et attention, pour s'inscrire dans certains masters ou dans certaines spécialisations, une équivalence de la Fédération Wallonie-Bruxelles est quand même requise, donc il faut bien se renseigner. Et si par exemple on déménage en Belgique au milieu de sa scolarité quand on est en secondaire, est-ce qu'il faudra une équivalence pour pouvoir suivre ses études secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Une demande d'équivalence est aussi nécessaire en principe pour terminer tes études secondaires, commence à l'étranger. Et l'équivalence va déterminer dans quelle année de secondaire tu peux t'inscrire en communauté française. Mais il y a aussi des alternatives si tu n'as pas la possibilité de prouver ton parcours scolaire antérieur avant d'arriver en Belgique. Pour cette procédure spécifique, il n'y a pas de délai, tu peux introduire ton dossier toute l'année. Et attention à nouveau, les règles sont différentes d'une communauté à l'autre en Belgique. Et alors, par contre, en primaire, on n'a pas besoin d'équivalence si on doit s'inscrire en primaire. Tiens, et pour travailler, est-ce qu'il faut une équivalence ? Ça peut en effet être utile lorsqu'on cherche un emploi. Ça peut te permettre de postuler aux offres d'emploi qui requièrent un certain diplôme. L'équivalence sera aussi exigée pour l'exercice de certaines professions qui sont réglementées et pour obtenir des barèmes salariaux spéciaux de la fonction publique. Mais l'équivalence n'est pas demandée par tous les employeurs, notamment dans le secteur privé. Mais attention, j'insiste, à chaque fois, en fonction de chaque type d'équivalence, il y a une procédure différente. Donc si c'est une équivalence d'un diplôme secondaire ou d'un diplôme supérieur, et en fonction aussi de la raison pour laquelle tu demandes l'équivalence. Donc si c'est pour travailler ou pour les études, c'est pas la même procédure. Donc il faut à chaque fois bien se renseigner, et à nouveau en fonction de la communauté ou de la région où tu t'installes, tu devras te diriger vers une procédure différente. Et est-ce que tout ce que tu viens d'expliquer s'applique aussi quand on fait des études dans un autre pays, mais de l'Union européenne ? Oui, en fait, peu importe où tu as étudié, si c'est à l'étranger, tu auras besoin d'une équivalence, il y a quelques exceptions, mais donc tout ça est bien expliqué. Attention, par contre, entre les différentes communautés en Belgique, les diplômes sont d'office reconnus. Ah oui, donc si on a étudié en Flandre, pas besoin d'une équivalence pour étudier en Wallonie. Non, et heureusement, j'ai envie de dire. Par contre, si tu veux, toi, poursuivre des études à l'étranger, tu auras probablement aussi des démarches à faire dans le pays où tu t'expatries pour faire reconnaître tes études belges. Et alors, dernière question d'Ayou, si on a envie d'avoir plus d'infos sur les équivalences, où est-ce qu'on peut poser ces questions, où est-ce qu'on peut trouver des réponses et... Donc, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'en avais déjà parlé, c'est équivalence.cfwb.be. La communauté flamande, tu trouveras des infos sur narikvlaanderen.be. Et de manière générale, il y a aussi le super site mondiplôme.be. Et puis, InfoJeune a écrit aussi des articles sur le sujet sur bruxelles-j.be. Et si tu as besoin d'aide, la SBL CIRE peut aussi répondre à tes questions par rapport à ça. Bien, merci beaucoup d'Ayou pour toutes ces informations sur les équivalences de diplômes. Si vous avez besoin d'une équivalence, n'hésitez pas à commencer les démarches dès que possible, et en tout cas avant le 15 juillet. Alors nous continuons à explorer les questions d'actualité dans les affaires courantes avec Karim. La session d'examen de janvier approche, à quoi faut-il faire attention ? Alors il faut faire attention à deux choses. La première concerne l'inscription à la session. Et la deuxième porte sur la participation obligatoire lors des examens pour les étudiants inscrits en premier bloc de bachelier. Alors tout d'abord, concernant l'inscription à la session, la règle est simple. Il faut parfois s'y inscrire. Alors comment est-ce qu'on sait lorsqu'il faut le faire ? Eh bien tout simplement en consultant le règlement général des études. Alors si rien n'est prévu, eh bien c'est que l'inscription est automatique et en fait il ne faut rien faire. En pratique, l'inscription est quasiment toujours automatique et il est rare que les établissements d'enseignement supérieur imposent de s'inscrire lors de la session de janvier. C'est très très différent pour la deuxième session. Concernant cette fois la participation obligatoire lors des examens, c'est tout aussi simple. Alors pour les étudiants qui sont inscrits en premier bloc de bachelier dans l'enseignement de plein exercice, je m'explique, c'est-à-dire en haute école, en école supérieure des arts ou à l'université, ces trois types d'établissements d'enseignement supérieur, il faut participer aux examens de janvier, c'est-à-dire au moins essayer de répondre aux questions. Attention, cela ne concerne que les examens de premier bloc de bachelier et non les éventuels autres examens qui ne sont pas rattachés au premier bloc de bachelier. Comment ça ? Alors en fait, un étudiant qui est inscrit en premier bloc de bachelier a réussi entre 30 et 44 crédits, compris donc, le jury peut le laisser présenter des évaluations au-delà du premier bloc de bachelier. Pour ces évaluations-là, au-delà du premier bloc de bachelier, eh bien, cette participation n'est pas obligatoire et donc cette règle ne trouve pas à s'appliquer. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si on ne passe pas ces examens ?
Alors en fait, il y a à nouveau deux situations qui sont possibles. La première, soit l'étudiant a justifié son absence valablement, c'est-à-dire conformément à ce qui est prévu à nouveau par le règlement général des études, par exemple en déposant un certificat médical dans le délai et à la personne visée par ce règlement. Soit ce n'est pas le cas. Et alors, dans cette deuxième hypothèse, l'étudiant n'a plus accès aux autres examens de l'année. En langage clair, son année s'arrête pour lui. Et en fait, c'est même pire, puisqu'en fait, elle sera comptabilisée comme un échec et il restera redevable des droits d'inscription. C'est plutôt lourd comme sanction. Pourquoi est-ce qu'ils ont prévu ce type de sanction ? Alors oui, effectivement, Laetitia, c'est très lourd et l'idée était d'inciter les étudiants à se confronter aux examens et de mesurer ce qui va et ce qui ne va pas. Cette règle, c'est en fait une manière d'y parvenir. Et est-ce que cela signifie que les autres étudiants ne sont pas obligés de présenter les examens ? Alors, il est toujours conseillé de participer aux examens, mais dans les autres cas, les seules conséquences concernent des difficultés bien spécifiques lors du renouvellement du titre de séjour étudiant éventuel, hein, pour les étudiants qui ont un titre de séjour étudiant, ou le remboursement des allocations d'études. Donc en fait, les sanctions sont beaucoup plus ciblées à certaines catégories de personnes seulement, et elles seront moins lourdes. Ok, merci beaucoup Karim. Donc on retient pour les premiers bacheliers qu'il est important de au moins présenter tous les examens de la session de janvier. Alors nous sommes au mois de novembre, le mois des rhumes, mais aussi le mois des jours fériés. Nous avons le 1er et le 11 novembre. Seul le mois de mai fait aussi bien, voire mieux, avec deux ou trois jours fériés selon les années. On nous pose parfois la question des répercussions du travail pendant un jour férié. François, peux-tu nous en dire plus ? Oui Laetitia, férié rime avec congé évidemment. En principe, la loi interdit le travail durant un jour férié. Cependant, il y a des exceptions. Dans certains secteurs, le travail pendant un jour férié est autorisé. On pense par exemple au personnel hospitalier, à la restauration, au tourisme ou encore aux services de secours. La loi prévoit en fait que lorsque le travail est autorisé le dimanche, le travail est également autorisé les jours fériés. Travailler un jour férié entraînera des conséquences à deux niveaux. La récupération et la rémunération. Donc premièrement, lorsqu'un travailleur a été occupé pendant un jour férié, il a droit à un repos compensatoire, c'est-à-dire à récupérer son congé à un autre moment. Et quelle est la durée de ce repos compensatoire ? Alors pour le travailleur à temps plein, il doit être d'une journée entière ou d'une demi-journée, selon que la prestation de travail ait duré plus ou moins de 4 heures. Pour le travailleur à temps partiel, la durée du repos compensatoire doit simplement être d'une durée égale à celle de la prestation. Et donc, tu nous disais que le deuxième impact du travail pendant un jour férié concernait la rémunération ? Oui, il faut savoir que le jour férié donne toujours droit à une rémunération, même si on ne travaille pas. Cette rémunération est égale à celle que le travailleur aurait gagnée s'il avait réellement travaillé ce jour-là. Et donc, travailler un jour férié donnera droit à un jour de récupération payé également. Et contrairement à ce qu'on pense parfois, la loi ne prévoit pas de supplément de salaire ou de prime pour le motif que le travailleur effectue des prestations un jour férié. Il s'agira cependant de vérifier si, par exemple, une convention collective de travail ou le règlement de travail n'a pas prévu une prime. Par exemple, le secteur des établissements et services de santé prévoit un supplément de 56% en cas de prestation durant un jour férié. Oui, c'est tout. Parce qu'on entend parfois dire qu'on peut être payé double en travaillant un dimanche ou un jour férié. C'est en effet possible, Laetitia, mais ce ne sera le cas que si le jour férié ou le jour de remplacement est générateur d'heures supplémentaires. Et que du coup, on travaille plus d'heures que la limite journalière ou hebdomadaire maximale prévue dans le secteur. Dans ce cas, le travailleur aura en effet droit à un supplément de rémunération de 100% pour les heures supplémentaires prestées. Je vais prendre un exemple. Si je travaille à 38 heures semaine et que c'est la limite maximale de mon entreprise, mon employeur me fait exceptionnellement appel à mes services le jour de Noël, le samedi 25 décembre, alors que j'ai déjà presté mes 38 heures du lundi au vendredi. Eh bien, les heures de travail du 25 décembre seront donc des heures supplémentaires et elles devront être payées double. Alors que si mon employeur avait prévu le coup et m'octroie un repos compensatoire anticipé la veille, le 24 décembre, Il ne devra alors pas me payer double le 25, puisque je ne dépasserai pas les 38 heures de travail sur la semaine. Ok, merci beaucoup pour cet exemple, François. C'est beaucoup plus clair, même si il faut reconnaître que ça peut un peu gâcher le réveillon de Noël de devoir travailler le lendemain. Mais bon, merci beaucoup à vous trois. Je propose maintenant une petite pause musicale avec Nicolette, No Government.
Écoutez la Juriclic, l'émission qui décrypte vos droits. Et je vous propose d'enchaîner directement avec la grosse question, puisqu'il s'agit d'une question d'actualité importante. La grosse question est une rubrique qui nous permet d'explorer un sujet plus en profondeur, et en cette période de l'année, la question qu'on nous pose le plus fréquemment concerne l'abandon des études en cours d'année et éventuellement un besoin de réorientation suite à une erreur dans le choix des études. Nous allons donc découvrir aujourd'hui quels sont les impacts de l'abandon des études en cours d'année. Nous examinerons tout d'abord les règles dans l'enseignement obligatoire et dans l'enseignement supérieur. Ensuite, nous aborderons la question des allocations d'études. Et enfin, nous traiterons les questions plus sociales avec les allocations d'insertion, les jobs étudiants, les allocations familiales, ainsi que l'aide sociale du CPS. Alors François, comment est-ce que ça se passe lorsqu'un jeune de l'enseignement secondaire prend la décision d'abandonner son année ? La première question à se poser, c'est de savoir si ce jeune est toujours obligé ou non d'aller à l'école. S'il a au moins 18 ans, il est majeur et il n'est plus soumis à ce qu'on appelle l'obligation scolaire. En revanche, s'il a moins de 18 ans, il doit être inscrit dans un établissement scolaire. Il ne peut en principe pas abandonner ses études, sauf s'il en trouve d'autres. Alors, sauf s'il fête ses 18 ans d'ici le 31 décembre 2021 ou plus tard, dans ce cas, il n'est plus non plus soumis à l'obligation scolaire. D'accord, et je suppose que dans l'enseignement supérieur, cette question de l'obligation scolaire ne se pose pas. Non, en effet, puisque les jeunes du supérieur sont majeurs, et les exceptionnels, les étudiants mineurs du supérieur, ne sont plus soumis à l'obligation scolaire s'ils ont obtenu le CESS, qui est pour rappel le diplôme nécessaire pour accéder à l'enseignement supérieur en communauté française. Puisque nous nous intéressons à l'enseignement supérieur, est-ce que l'abandon des études aura des conséquences, Karim ? Oui, tout à fait, Laetitia. Alors, dans l'enseignement supérieur de plein exercice, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire en haute école, à l'université ou en école supérieure des arts, c'est le 1er décembre 2021. Avant cette date, l'étudiant peut se désinscrire et tout se passera comme s'il n'avait jamais été inscrit. Et est-ce qu'il doit invoquer une raison particulière ? Eh bien, en fait, non, aucune. D'accord, et est-ce qu'il y aura des conséquences ? Alors oui, cela a des conséquences sur la finançabilité de l'étudiant. Pour rappel, mais vous connaissez sans doute tous déjà cette notion, eh bien, être finançable, c'est une condition pour avoir le droit de se réinscrire dans l'enseignement supérieur de plein exercice. Si tu n'es pas finançable, tu devras demander une autorisation spéciale et elle peut être refusée dans certains cas. Et dans certains cas, elle l'est. Et alors, pour savoir si tu es finançable, il faut examiner ton parcours académique antérieur. En gros, si tu as trop échoué, tu ne seras pas finançable. En réalité, les règles sont assez complexes et il ne sera pas possible de les exposer ici, mais nous sommes disponibles pour envisager ta situation particulière et nous avons d'ailleurs mis en place un calculateur de finançabilité en ligne sur le site www.ijbxl.be. Et donc, pour revenir sur le sujet, en se désinscrivant avant le 1er décembre 2021, l'étudiant est, comme on l'a déjà dit, réputé ne jamais avoir été inscrit et son année ne sera donc pas prise en compte du point de vue de la finançabilité. Alors, en plus, en termes de conséquences, eh bien, ça a des conséquences sur le montant des droits d'inscription. En se désinscrivant avant le 1er décembre 2021, seul un montant de 50 euros est conservé par l'établissement d'enseignement supérieur. Et à partir de cette date, le 1er décembre, l'établissement pourra exiger l'intégralité du montant des droits d'inscription, sauf si tu es boursier. Et une fois désinscrit, est-ce qu'il est trop tard pour changer d'avis ? Donc, autrement dit, est-ce qu'on peut se réinscrire ? Alors, il est en principe trop tard, mais il existe une petite exception. Pour les étudiants qui sont inscrits en premier bloc de bachelier dans l'enseignement de plein exercice, eh bien pour cela, il est encore possible de se réinscrire en premier bloc de bachelier dans l'enseignement de plein exercice jusqu'au 15 février 2021. D'accord, et en quoi peut-on ou ne peut-on pas se réinscrire ? Alors, cette réinscription, celle qu'on vient d'aborder, elle concerne soit le même établissement et une autre formation, soit encore un autre établissement et soit une autre formation, soit la même formation. D'accord. Et est-ce qu'il faut nécessairement se désinscrire ? En fait, non. Les étudiants qui sont inscrits de manière plus générale en premier bloc de bachelier peuvent se réorienter avant le 15 février sans devoir nécessairement se désinscrire. Est-ce que l'établissement depuis ou vers lequel l'étudiant se réinscrit peut refuser cette inscription ? Alors, en fait, les seuls cas dans lesquels l'inscription pourra légalement être refusée, ils sont liés au fait que l'étudiant n'est pas finançable ou bien qu'il ne rencontre pas toutes les conditions d'accès pour s'inscrire à ses études. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Prenons un exemple.
par exemple, parce que l'étudiant devait réussir un examen ou une épreuve d'admission, par exemple l'examen d'admission en médecine. Et est-ce qu'il pourrait refuser pour d'autres raisons encore ? Eh bien, légalement, non. Alors, il est vrai qu'il est parfois demandé de rédiger une lettre de motivation, mais en réalité, cela ne pourra en aucun cas constituer un motif de refus d'inscription dans le cadre de cette réorientation. D'accord. Et est-ce que l'étudiant doit... qu'est-ce que l'étudiant doit payer en cas de réorientation ? Alors, il faut d'abord vérifier si l'étudiant a demandé une bourse, une allocation d'études. Alors, s'il l'a demandé, et dans ce cas, tant qu'il n'a pas reçu de réponse négative, on ne parle pas de la bourse, mais de la réponse, et si elle est négative, alors, jusqu'à ce moment-là, il ne devra rien payer. Il ne devra rien payer non plus s'il reçoit sa bourse d'études, évidemment. Par contre, s'il n'a pas demandé de bourse ou qu'il reçoit une réponse négative, il devra payer les droits d'inscription complets auprès de l'établissement depuis lequel il vient et en plus, et s'il s'agit d'une haute école, de frais auprès de l'établissement où il s'inscrit. Des frais ? Oui. Alors en fait, chaque haute école peut arrêter une liste de frais. Alors le terme, le véritable terme qui est utilisé par l'établissement, ce sont les frais afférents au coût réel des études. Et en fait, ce montant est fixé dans le règlement général des études de l'établissement concerné. Par ailleurs, parfois, ce n'est pas l'intégralité des frais. Prenons un exemple, la Haute École Libre de Bruxelles, eh bien, on comptabilise ce montant à concurrence de moitié. On considère que l'étudiant s'inscrit à la moitié de l'année, et donc on ne fait payer que la moitié du montant de ses frais. D'accord. Nous avons vu que l'étudiant pouvait se réorienter jusqu'au 15 février. Où est-ce que l'étudiant doit présenter ses examens ? Dans l'établissement d'origine ou dans celui vers lequel il se réoriente ? Alors, c'est très important. L'étudiant doit continuer de présenter ses examens dans l'établissement d'origine tant que sa demande n'a pas été acceptée. Ok. Et pour les étudiants qui ne sont pas inscrits en haute école, en école supérieure des arts ou à l'université, donc c'est-à-dire dans l'enseignement de plein exercice, quelle est la date de désinscription ? Alors, pour ces étudiants-là, ils sont nécessairement inscrits dans l'enseignement de promotion sociale. Et là, il n'existe pas une seule date fixe, mais chaque cours, on parle d'unité d'enseignement ou plus rarement d'unité de formation, dispose de sa propre date. En fait, cette date correspond au premier dixième du déroulé du cours. Pour le dire autrement, il est possible de se désinscrire de ce cours si le premier dixième n'est pas encore écoulé. En effet, dans l'enseignement de promotion sociale, les cours ne commencent pas tous au même moment et cette date varie. Et quels sont les avantages d'une désinscription avant la date limite ? Alors, pour l'enseignement supérieur de promotion sociale, eh bien, tu pourras demander le remboursement. Alors, ce remboursement se fera cette fois-ci aux conditions prévues par le règlement des études ou d'intérieur. En réalité, en pratique, la plupart des établissements listent des situations dans lesquelles le remboursement sera intégral ou non, et si des frais seront conservés ou non. Par exemple, en cas de non-obtention du diplôme qui permettait de s'inscrire, ou bien encore pour des raisons de santé ou professionnelles, et bien dans ces cas-là, parfois les établissements accordent un remboursement. Et concernant la finançabilité dans l'enseignement de promotion sociale ? Alors, dans ce cas-là, la situation est en fait beaucoup plus simple. En fait, il ne faut pas être finançable pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur de promotion sociale. Et puis, d'autre part, lorsque l'étudiant s'inscrit dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, eh bien, les crédits auxquels il s'est inscrit sont pris en compte pour la finançabilité, pour autant qu'il ait été inscrit à au moins 30 crédits. Si ce seuil de 30 crédits n'est pas atteint, eh bien, en fait, l'inscription n'est pas prise en compte dans la finançabilité. D'accord. Et qu'en est-il des allocations d'études en cas de désinscription ? Eh bien, pour l'année académique 2021-2022, il faudra, et je vous donne les chiffres, c'est un petit peu technique, il faudra rembourser 80% du montant de l'allocation d'études en cas de désinscription avant le 1er janvier 2022. Et puis ça fonctionne comme ça, par seuil. C'est-à-dire qu'entre le 1er janvier et le 1er mars 2022, il faudra en rembourser 60%. Entre le 1er mars et le 1er mai 2022, ce sera 50%. Et puis au-delà, ce sera 40% lorsque tous les examens de la deuxième session n'ont pas été présentés. Néanmoins, à partir de l'année académique prochaine, cette règle sera simplifiée dans la réforme des allocations d'études qui vient d'être votée, mais qui, pour cette question-là, trouvera à s'appliquer à partir de l'année prochaine seulement. Petite remarque, ces montants ne concernent que le montant qui a été versé et non les montants qui concernent les droits d'inscription, plutôt l'absence de paiement des droits d'inscription. Et du coup, comment est-ce que les allocations d'études contrôlent si on a arrêté nos études ou pas ? Alors, à nouveau, en pratique, c'est assez difficile, puisqu'en fait, dans l'enseignement supérieur, la présence n'est pas toujours obligatoire et que tous les étudiants qui abandonnent ne se désinscrivent pas nécessairement. Alors, en pratique, il faut savoir que cette règle n'est pas souvent mise en œuvre. Néanmoins, il faut savoir que les services des allocations d'études disposent de 5 ans pour réclamer ces montants et rien ne les empêche
puisque maintenant ils sont relativement souples, de changer de politique plus tard. D'accord, merci beaucoup Karim. On retient donc la date du 1er décembre, qui est la date limite pour se désinscrire au niveau des études supérieures de plein exercice, si on ne souhaite pas que cette inscription soit prise en compte dans notre finançabilité. On retient aussi la possibilité de se réorienter avant le 15 février pour les étudiants qui sont en premier bac, et l'éventualité de devoir rembourser les allocations d'études en cas d'abandon en cours d'année. Ça fait beaucoup d'informations, si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter un Fort Jeune Bruxelles pour vérifier votre situation. Intéressons-nous maintenant aux droits sociaux et à l'impact qu'un abandon d'études peut avoir sur ceux-ci. François, est-ce qu'un jeune qui abandonne ses études en cours d'année risque de perdre ses allocations familiales ? Alors les règles pour les allocations familiales, elles sont différentes d'une région à l'autre. Et donc je vais expliquer ici que les règles pour les jeunes qui vivent à Bruxelles, donc qui sont domiciliés dans une des 19 communes de Bruxelles. Jusqu'à 18 ans, il n'y a pas de conditions d'études pour les allocations familiales. Donc, un mineur, contrairement à ce qu'on pense parfois, même déscolarisé, ne risque pas de perdre ses allocations familiales. Alors ensuite, de 18 à 25 ans, là, il faut soit être étudiant, soit être inscrit comme chercheur d'emploi chez Actiris pour pouvoir conserver ses allocations familiales. Et donc, on conseillera aux jeunes qui abandonnent ses études en cours d'année de s'inscrire immédiatement chez Actiris s'il ne veut pas risquer de perdre ses allocations familiales. D'accord. Et qu'en est-il du travail étudiant ? Est-ce qu'un jeune qui abandonne ses études peut continuer à travailler comme étudiant ? En principe, non. Dès que les études ne sont plus l'activité principale d'un jeune, il est censé ne plus travailler comme étudiant. En revanche, il peut bien sûr travailler sous le régime ordinaire, entre guillemets, comme employé ou ouvrier, par exemple. Ah, mais donc il n'est pas possible de garder le statut étudiant si on interrompt ses études ? Alors, on nous parle tous les jours de ce fameux statut étudiant. Pourtant, il faut savoir que le statut étudiant n'existe pas dans la loi. On sait tous, cependant, que les étudiants peuvent bénéficier de certains avantages. Par exemple, travailler en tant qu'étudiant en bénéficiant de réductions de charges sociales, recevoir les allocations familiales, comme on vient de le dire, avoir droit à des tarifs réduits pour les transports en commun, travailler comme étudiant indépendant, etc. Mais vu que ce statut étudiant n'est pas défini dans la loi, eh bien chaque secteur, chaque organisme compétent aura sa propre définition de l'étudiant. Ainsi, il est par exemple possible d'être reconnu comme étudiant pour le bénéfice des allocations familiales, sans pour autant avoir le droit de travailler en tant qu'étudiant. Ce sera par exemple le cas typique du jeune qui arrête un bachelier, mais il reprend immédiatement des cours de langue en promotion sociale en ayant un minimum de 17 heures de cours par semaine. Et bien dans ce cas, il a le statut étudiant pour les allocations familiales, mais il ne l'a pas pour avoir le droit de travailler comme étudiant. Donc pour résumer, retenons qu'un abandon d'études fera, selon la situation, perdre certains avantages et d'autres non. Il faut analyser la situation au cas par cas et ne pas hésiter à nous contacter pour en discuter. D'accord, donc on retient que le statut étudiant, entre guillemets, varie en fonction des secteurs et qu'il vaut mieux vérifier. Mais François, tu as évoqué la solution de s'inscrire chez Actiris pour garder les allocations familiales en tant que demandeur d'emploi. Si l'étudiant opte pour cette solution, peut-il encore reprendre des études par la suite ? Oui, bien sûr. On peut récupérer sans problème la qualité d'étudiant dès qu'on reprend ses études. Cela ne pose aucune difficulté. Et est-ce qu'il y a un désavantage particulier à ce statut de chercheur d'emploi pour un jeune qui ferait une pause dans ses études ? Non, au contraire. Si la pause dure au moins un an, il sera possible, parfois possible, d'ouvrir le droit au chômage sur base des études. Ce chômage est appelé allocation d'insertion. Lorsque le jeune voudra éventuellement reprendre ses études, eh bien il pourra interrompre le bénéfice de ses allocations d'insertion pendant ses études pour récupérer ce bénéfice immédiatement dès que ses études se terminent. Ou encore mieux, le jeune pourra parfois bénéficier d'une dispense qui lui permettra de reprendre ses études tout en bénéficiant des allocations d'insertion. D'accord, et que faut-il faire du coup pour bénéficier de ces allocations d'insertion ? Donc j'ai parlé d'une pause d'un an, il faut en fait accomplir ce qu'on appelle le stage d'insertion professionnelle. C'est une période d'un an pendant laquelle le jeune est inscrit chez Actiris et cherche activement un emploi. Il lui est conseillé de conserver toutes ses preuves de recherche d'emploi, puisqu'un contrôle d'Actiris a lieu au cinquième et au neuvième mois du stage d'insertion. Et alors, à la fin de la période d'un an, le jeune doit penser à introduire sa demande. Pour que cette demande d'allocation soit acceptée par l'ONEM,
Il faudra donc avoir obtenu deux évaluations positives d'Actéris, avoir atteint un certain niveau d'études et avoir moins de 25 ans au moment de l'introduction de la demande. Ok. Il y a un autre élément auquel je pense et dont nous avions parlé lors de notre dernière émission sur la précarité étudiante. Il y a de nombreux jeunes qui sont aidés par le CPS. Est-ce qu'un abandon d'études aura un impact vis-à-vis de cette aide ? Pour ne pas risquer de perdre cette aide, il est important que le jeune aidé par le CPS prévienne son CPS de son abandon d'études. Et idéalement, on lui conseillera de prévenir son CPS avant d'avoir officiellement abandonné. Il sera nécessaire qu'il s'inscrive chez Actéris comme chercheur d'emploi à nouveau pour continuer à bénéficier de l'aide du CPS. Et alors, le PIS, c'est-à-dire le contrat qui indique les obligations du jeune vis-à-vis du CPS, ce PIS devra être adapté. Eh bien, merci beaucoup François pour toutes ces informations. Nous retenons donc que l'arrêt des études a effectivement un impact sur les différents droits sociaux, mais que des solutions alternatives existent pour les maintenir, et que ce fameux statut étudiant varie d'une législation à l'autre, et qu'il ne faut pas hésiter à vérifier son statut et ses droits avec un professionnel. Pour digérer toutes ces informations, je vous propose une petite pause musicale avec Grace Jones, I've Seen That Face Before. Sur les murs de photos, sans regret, sans...
Saint-Mélo. La porte est claquée. Jorel est barré. Écoutez la Juriclic, l'émission qui décrypte vos droits, et nous enchaînons directement avec la boîte à outils. Alors on vient d'évoquer l'arrêt des études en cours d'année, et peut-être que certains d'entre vous qui envisagent cette option souhaiteraient en fait trouver une alternative, une autre option, une autre école ou encore une autre forme d'enseignement. Mélanie nous a donc préparé une boîte à outils qui va nous aider à trouver une formation sur Bruxelles. C'est bien ça, Mélanie ? Eh oui, et donc aujourd'hui, je te propose de découvrir un outil qui va sûrement t'aider à trouver la formation de tes rêves. Ça peut paraître vraiment peut-être utile si tu te trouves dans la situation dont François et Karim viennent de parler, c'est-à-dire que tu as arrêté tes études et que tu aimerais peut-être en profiter pour reprendre une formation. Alors, pour trouver la formation qui te convient, je te donne donc rendez-vous sur le site www.dorifor.be. Et oui, le Dorifor n'est pas uniquement un insecte qui mange des patates, c'est aussi une base de données en ligne qui est gérée par Bruxelles Formation et qui reprend toutes les formations pour adultes qui existent à Bruxelles. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. Tu y trouveras autant les études de plein exercice que les formations pour demandeurs d'emploi, les formations en promotion sociale, celles organisées par des institutions privées ou encore des associations. Bref, il y a de quoi faire et c'est d'ailleurs un des outils que nos informateurs utilisent beaucoup dans nos points info. Alors plus concrètement, sur le site, tu trouveras un moteur de recherche sur lequel tu peux directement taper le nom du métier ou de la formation qui t'intéresse. Si tu ne sais pas encore exactement ce que tu veux étudier, cet outil te propose aussi de faire une recherche en fonction de domaines ou de mots-clés. Tu peux aussi indiquer le type de formation qui te tente le plus via un bouton critères avancés. Par exemple, si tu es plutôt intéressé par des cours du soir, ben on te conseille de sélectionner promotion sociale. Alors, une fois que tu as coché ces quelques cases, tu peux alors lancer la recherche. Tu vas voir, il est possible que le site te sorte une longue liste reprenant parfois des formations qui n'ont rien à voir avec ce que tu imaginais. Faudra donc faire un petit travail d'élagage. Tu peux le faire en cliquant sur les formations qui à première vue te semblent intéressantes. Comme ça, tu auras accès à une fiche plus détaillée qui reprend par exemple les objectifs de la formation, les dates, le prix, les prix requis ou encore les diplômes obtenus en cas de réussite. Bref, toutes les informations de base s'y trouvent. Il ne te reste donc plus qu'à te balader sur le site pour farfouiller, comparer et on l'espère trouver la formation qui répondra à tes critères. Alors un petit plus, c'est que si tu as trouvé une formation qui t'intéresse mais que malheureusement la période d'inscription est déjà clôturée, tu peux alors facilement demander à Dorifor de te prévenir des prochaines dates d'inscription en te créant un profil sur leur site. Voilà, c'est déjà tout pour cette fois-ci. J'espère que ça t'aidera à trouver la formation de tes rêves les plus fous. Et si ce n'est pas le cas, tu auras au moins appris qu'un Dorifor est un insecte qui mange des patates. On se retrouve le mois prochain avec toujours plus de trucs et astuces. Merci beaucoup Mélanie. J'avoue que je connaissais déjà le site de Dorifor que je trouve très pratique, mais que je n'avais jamais entendu parler de cet insecte mangeur de pommes de terre. Alors maintenant, voici notre chronique sur le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. Dans cette chronique, on s'intéresse aux décisions de justice qui font bouger les lignes du droit. Aujourd'hui, on parle de colocation et de chômage. Sujet intéressant car de plus en plus de personnes décident pour des raisons financières de vivre en colocation, notamment à Bruxelles où les loyers sont fort élevés. Et oui Laetitia, et tu le sais sans doute, le montant des allocations de chômage est différent selon la situation familiale. En fait, on a trois taux différents d'allocation de chômage selon que le chômeur appartienne à la catégorie de cohabitant avec charge de famille, à la catégorie isolée ou à celle de cohabitant sans charge de famille cette fois, qui est la catégorie avec l'allocation la moins élevée. Le problème, c'est que les chômeurs qui ont opté pour la colocation étaient très souvent pénalisés par une réduction de leur allocation à un taux cohabitant. Du coup, il était parfois difficile de s'en sortir financièrement. Mais quel est le rôle des juges dans tout ça ? Tu as peut-être lu dans la presse il y a quelques mois l'histoire de Camille, une jeune de 27 ans au chômage et vivant en colocation. L'ONEM, donc c'est l'organisme qui octroie les allocations de chômage, avait décidé de lui octroyer un taux cohabitant.
Et Camille a contesté cette décision et elle a finalement été reconnue isolée par le tribunal du travail. Donc toute la question dans ce cas de savoir ce qu'est une personne cohabitante en fait. Oui, et justement, c'est là qu'on arrive au rôle des juges. Les tribunaux ont depuis quelques années précisé la notion et fait évoluer les critères de la cohabitation dans le cadre du chômage. Et donc de base, on a un arrêté ministériel qui définissait... qui définit toujours deux grands critères. Selon ce texte, cohabiter, c'est le fait pour deux ou plusieurs personnes de 1. Vivre ensemble sous le même toit et 2. Régler principalement en commun les questions ménagères. Et c'est le deuxième critère qui pose des questions d'interprétation. Que signifie régler principalement en commun les questions ménagères ? Le NEM a considéré pendant des années que les locataires tiraient d'office un avantage financier lié au partage du loyer et des charges. Et pour le NEM, cet avantage suffisait à lui seul à conclure qu'il y avait une gestion en commun du ménage. C'est pourquoi les colocataires étaient pratiquement d'office considérés comme cohabitants. Le NEM se basait en fait principalement sur la composition de ménage. Les tribunaux ont fait évoluer cette interprétation en condamnant à plusieurs reprises le NEM à appliquer un taux isolé à des colocataires. En 2017, un arrêt de la Cour de cassation a confirmé cette tendance de la jurisprudence. Mais c'est quoi exactement la Cour de cassation ? C'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en Belgique et elle a pour rôle de contrôler la légalité des jugements des tribunaux. Et donc elle vérifie que les tribunaux appliquent correctement la loi. Ah oui, donc son avis est très important. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle a dit cette Cour de cassation sur la notion de cohabitation ? La Cour a confirmé ce qu'avaient dit d'autres juges avant elle, que l'avantage financier lié au partage du loyer et des charges ne suffit pas à prouver l'existence d'une gestion commune du ménage et donc in fine d'une cohabitation. La cohabitation suppose... en outre, une interaction entre les habitants. Il faut, en plus du partage des frais de loyer et de charges, l'accomplissement en commun d'activités comme l'entretien, l'aménagement du logement, la lessive, les courses, la préparation et le partage des repas, ou encore aussi que les habitants affectent des moyens financiers à cette gestion commune. Et donc, à la suite de cet arrêt, le NEM a rédigé de nouvelles instructions pour ses agents. On leur demande désormais de tenir compte de ce qu'a dit la Cour de cassation dans le traitement des dossiers. La Cour de cassation a donc réussi à faire bouger la position de l'ONEM. Et oui. Et en plus, d'autres décisions des tribunaux vont plus loin. Dans certains jugements, on lit qu'il faut en plus un élément intentionnel dans la cohabitation. Donc une volonté des cohabitants de créer une forme de solidarité entre eux et de mettre en commun une partie de leur patrimoine. Certains ont dit que la cohabitation doit avoir aussi une forme de permanence et donc on ne formerait pas une cohabitation si on habite ensemble que quelques jours ou quelques semaines. En conclusion, il est possible de conserver un taux isolé en vivant en colocation. Oui, mais attention, parce que si on vit avec d'autres personnes, donc si tu vis avec d'autres personnes, c'est à toi de prouver que tu es isolé et pas cohabitant. Et donc concrètement, comment est-ce qu'il faut faire si on veut garder un taux isolé ? Lorsque tu emménages en colocation, tu vas signaler à l'ONEM ton statut d'isolé dans le formulaire C1. Ensuite, tu vas devoir remplir un formulaire qui est appelé C1 Annexe Régis, dans lequel tu vas expliquer pourquoi tu t'estimes isolé alors que sur la composition de ménage, tu n'es pas seul. Il va falloir apporter des éléments concrets, donc donner une copie de ton contrat de bail, attester que tu disposes bien d'une chambre individuelle et apporter des explications sur le fait que tu ne gères pas un ménage en commun avec tes colocataires. Donc expliquer que tu ne partages pas les tâches et les dépenses de la vie quotidienne, qu'il n'y a pas de projet de vie commune. Mais il vaut mieux amener des preuves, non ? Oui, bien sûr. Donc par exemple, on a parlé du contrat de bail, mais ça peut être aussi des photos des différents espaces privés et communs, des factures, des extraits de compte qui prouvent le paiement individuel des aliments, des produits ménagers, mais aussi pourquoi pas le paiement des loisirs ou des vacances. Tu pourrais aussi amener des témoignages. En fait, il faut mettre en avant tout élément qui montre ton autonomie. On entend souvent parler d'un frigo privatif ou des étagères personnelles dans la cuisine, par exemple. Mais donc, tout élément qui montre une vie la plus autonome possible par rapport aux colocataires. Alors, si malgré tes explications, le NEM t'octroie un taux cohabitant, il sera aussi possible d'introduire un recours devant le tribunal du travail. Tout comme Camille, du coup. Merci beaucoup, Dayuma. Je vous propose maintenant une petite pause musicale avec Paradise Circus de Massive Attack. Makes us sin, but we like it when
Écoutez la Juriclic, l'émission qui décrypte vos droits. Et pour terminer, l'agenda. Quelles sont les dates importantes qu'il faudra noter dans notre agenda cette fois-ci, Mel ? Eh oui, donc je t'ai concocté un tout petit agenda, histoire de garder en tête les quelques dates qui pourraient t'intéresser avant de passer en mode fête de fin d'année ou blocus pour certains. Alors, on va commencer par un point enseignement supérieur. Peut-être que tu ne le savais pas, mais il est possible d'entamer des études supérieures en janvier ou février 2022. Ce sont des écoles de promotion sociale qui proposent ces formations, et je préciserai ici que les bacheliers organisés en PromSoc ont la même valeur, donc offrent le même diplôme, que les bacheliers organisés en haute école. Donc, si t'as loupé le coche en octobre ou que tu t'es rendu compte trop tard que tu étais non finançable et que donc tu n'as pas pu t'inscrire, eh bien tout n'est peut-être pas perdu. Alors l'Institut supérieur de formation continue d'Etterbeek, l'ISFCE, propose 4 bacheliers qui débutent en janvier 2022. Il s'agit des bacheliers en informatique de gestion, en marketing, assistant de direction et comptabilité.
Les inscriptions pour ces formations ont débuté aujourd'hui même et se clôtureront le 25 novembre. Donc en gros, si ça t'intéresse, ne traîne pas. Toutes les infos sont sur leur site www.isfce.org. Alors l'autre école, c'est l'EPFC, qui elle propose 4 bacheliers avec une rentrée en février 2022. Les 4 bacheliers sont commerce extérieur, relations publiques, comptabilité et informatique de gestion. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes et on ne connaît pas encore les dates, mais si ça t'intéresse, toutes les formations seront également sur leur site www.epfc.eu. Alors toujours dans l'enseignement supérieur, je rappelle brièvement ce que Karim expliquait en début d'émission. Si tu es en première année en bachelier, inscris-toi et passe tous tes examens, parce qu'une seule absence injustifiée mettrait ton année en péril. Et finalement, si tu penses interrompre tes études et ne pas continuer ton année, n'oublie pas de te désinscrire avant le 1er décembre. Alors le point suivant, on va parler brièvement du jury central. Donc si tu n'as pas le CESS et que tu aimerais le passer via le système du jury, sache que le deuxième cycle du jury débutera le 1er février 2022. Du coup, l'organisation des jurys ne va sans doute pas tarder à ouvrir les inscriptions. Ce sera probablement dans le courant du mois de décembre. Pour rappel, le jury n'organise que 2 cycles d'examen par année. Le premier se déroule entre le mois d'août et le mois de janvier, c'est donc le cycle qui est en cours actuellement, et le deuxième se déroule entre février et juillet. Donc si tu souhaites obtenir le CESS avant la rentrée prochaine, ne loupe pas les prochaines inscriptions. Tu trouveras toutes les informations sur le jury central sur le site www.enseignement.be et si tu as encore des questions, n'hésite pas à nous contacter. Bon allez, je termine ce petit agenda par un point vacances. Si tu es employé ou ouvrier et que tu as encore des jours de congés légaux à prendre, n'oublie pas de le faire avant la fin de l'année. Parce que pour rappel, il est interdit de reporter des jours de congés légaux d'une année à l'autre. Autrement dit, tout ce que tu ne prends pas sera perdu. Voilà, c'est déjà terminé. Je te souhaite en tout cas une bonne fin d'année 2021 et on se retrouve dès janvier 2022 pour t'aider à remplir le tout nouvel agenda que tu auras sans doute reçu à Noël. Merci beaucoup Mel d'avoir pointé pour nous toutes les dates importantes qui arrivent. Nous voilà arrivés à la fin de l'émission. Merci à tous nos intervenants. Merci à toi et à vous de nous avoir écoutés. Si jamais tu veux réécouter certaines parties de l'émission de la Juriclic ou la partager avec tes amis, elle sera disponible en podcast sur le site de Radio Panique ainsi que sur le site d'InfoJeune Bruxelles. On se retrouve le 17 janvier pour un nouvel épisode de la Juriclic. Du coup, on te souhaite déjà des bonnes fêtes de fin d'année et courage à ceux qui vont bientôt être en examen ou en blocus. Si d'ici là, tu as des questions, n'hésite pas à contacter InfoJeune Bruxelles par téléphone au 02 514 41 11 ou encore à consulter notre site internet www.ijbxl.be où tu retrouveras un chat pour parler directement avec nos informateurs ou encore les adresses de tous nos points d'information. Toute l'équipe te souhaite une très belle journée et on se retrouve en 2022 pour une nouvelle émission de la Juriclic, l'émission qui décrypte tes droits.
Oh.